un jour, pendant la période de carnaval, Dieu m'a fait comprendre que pendant cette période, il faut trouver un programme pour l'Église, pour éviter que les gens qui étaient dans le monde retournent dans le monde. Il y a eu des moments vraiment, vraiment forts où le Saint-Esprit a touché, a visité tout le monde. Super. À cet été. Pasteur Tony, vraiment, il transporte une grâce dans l'adoration prophétique qu'il a reçue, bien sûr, que nous avons reçue tous du Père. Et on voulait quand même participer à cette grâce. Et il est venu, effectivement. Il a déversé. C'était nice. C'était extraordinaire. Magnifique. Wow. Ce soir, c'était magnifique, c'était bien passé. On sent la présence du Saint-Esprit, l'ambiance qu'il y a, sa présence, et puis tout ce qu'on a, qui a déversé, on le prend, et puis on dit gloire à Dieu. Hein. Pasteur Sita, ben, c'est une femme de feu. C'est une femme de feu. Et cette année, c'est la première fois qu'elle a participé avec nous. Et c'était vraiment waouh, magnifique. Une joie dans le corps, dans l'esprit. La transformation. Du changement, un changement total. Et j'étais venue un petit peu accrochée, mais ça va, ça va. Ah, c'était la joie, l'amour, la joie, la gaieté. Que je suis ici, et vraiment c'est le feu. Vraiment, je bénis le Seigneur d'être présente ici. Il y a vraiment une soif, et lorsque le peuple est assoiffé, bah Dieu répond en fait. Il se passe vraiment quelque chose ici. Le Seigneur nous fait tellement de bien. On l'adore. Vraiment, Dieu nous fait vraiment beaucoup de bien. C'était bien, c'était émouvant. Je reçois beaucoup de grâce. Je rends grâce à Dieu. Elle était super la soirée. J'ai été remplie comme toutes les soirées. J'étais en larmes, c'était trop fort, c'était trop fort, c'était trop bien. Et on sentait bien la présence du Seigneur parmi nous et c'était magique, c'était puissant et c'était bon. Je
J'arrivais plus à parler depuis ce matin. J'avais pas de voix, mais arrivé ici, j'ai senti le Saint-Esprit m'a touché. J'ai crié et j'ai retrouvé la voix. Franchement, c'était waouh. Et c'est juste merveilleux de vivre des moments comme ça dans sa présence. Les 12 soirées, c'est juste un programme qui est... Je sais pas que le dire avec des mots, en fait, mais il faut le vivre. L'idée est venue du pasteur Freddy. Il a reçu qu'il devait prier pour le pays. Il a demandé un drapeau. Et puis, on a beaucoup prié pour la Guyane. On a énormément prié pour la Guyane. Il a prophétisé. Il a relâché des paroles prophétiques sur le pays. Et c'était un moment vraiment, vraiment spécial. Vraiment spécial et très spirituel. C'était une très belle soirée. J'ai beaucoup apprécié. On a ressenti vraiment la présence de Dieu. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Je dis gloire à Dieu et franchement, il faut que ça continue, cette atmosphère de gloire. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur pour cette douce soirée et que nous continuons à garder cette bénédiction jusqu'au bout et prier sans cesse pour que ce pays soit élevé par la grâce de l'Éternel. J'ai vraiment ressenti la gloire de Dieu et en tout cas qu'elle réside sur toute la Guyane, dans tous les quartiers, sur toutes les autorités, sur tous les élus, dans toutes les familles. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour la Guyane. En plus, pour moi, c'est la première fois que je fais la clôture. Alors, je crois que je vais courir pour être là toutes les clôtures, si c'est comme ça. Mais que Dieu soit béni, que Dieu soit loué pour ce qu'il a fait. Et je viens dire vraiment un grand merci au Seigneur pour les églises mobilisées et pour l'église de Guyane, l'Église de Guyane. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci de nous faire vivre des moments comme ça. Que Dieu se souvienne de vous. On est vraiment ensemble. Peace. La dernière fois que nous avons eu les 12 soirées, Dieu nous disait que des gens viendront de l'étranger. Et effectivement, on a expérimenté cela cette année. Les gens qui ont pris l'avion, qui sont venus spécialement pour les programmes.